Oui, il faut sans cesse revenir à cette foule immense qui, sous une pluie battante, avec une profusion de drapeaux rouges et de fleurs, le 11 février 1951, accompagne au Père Lachaise Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, c'est le seul ouvrier qui, depuis 1906, date de naissance du ministère du Travail jusqu'à nos jours, a été ministre du Travail. Et c'est le seul qui ait eu droit au titre de ministre des Travailleurs. Imaginez qu'on propose que Mme El Khomri s'appelle ministre des Travailleurs, ça ferait rigoler. Il est secrétaire général de la Fédération de la Métallurgie, de la CGT, et à ce titre, il négocie avec Benoît Frachon les accords Matignon. Il venait d'être élu, Front populaire, député communiste. Et comme tous les députés communistes, en septembre 1939, il comparaît devant ses pairs, des pairs qui voteront les pleins pouvoirs à Pétain, et qui vont condamner au bagne les députés communistes. Il va passer en prison, puis au bagne d'Alger, 3 ans. Et en 1942, lorsque les Alliés débarquent à Alger, il est libéré et il va participer à la réflexion qui nous conduira aux ordonnances de 1945 sur le régime général de sécurité sociale. Et il sera donc le ministre qui, de novembre 1945 à décembre 1946, va construire avec la CGT, entre autres, le régime général de sécurité sociale. Il meurt très jeune, à 50 ans, en particulier à cause des très mauvais traitements qu'il avait eus au bagne d'Alger. Et cette foule immense, 1 million de personnes, dira l'Humanité le lendemain, cette foule immense d'un enterrement à la Victor Hugo pose 2 questions. Pourquoi ? Pourquoi ce ministre suscite tel accompagnement de ses funérailles, quelque chose qu'on n'avait pas vu avant l'enterrement de Victor Hugo et qu'on n'a pas vu depuis, s'agissant de l'enterrement d'un homme politique ou d'un ministre. Et pourquoi, deuxième question, pourquoi il n'y a aucune mémoire de cet événement. L'enterrement de Victor Hugo, on apprend ça plus ou moins à l'école, on sait. Hein. L'enterrement de Croizat, personne. Vous voyez, il me semble que j'ai mis 40 ans pour répondre à ces 2 questions. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire partager ce soir. L'évolution de ma démarche jusqu'à ce que je comprenne vraiment pourquoi Croizat a pu rassembler 1 million de personnes à ses funérailles et pourquoi c'est totalement oublié. Ça va m'amener à vous raconter comment je suis passé du service de la classe ouvrière à l'école de la classe ouvrière. J'étais un chercheur au service de la classe ouvrière. Je suis devenu un chercheur à l'école de la classe ouvrière. Et c'est d'elle qu'aujourd'hui, maintenant, j'apprends. Je pensais lui apprendre des choses et
et être à son service. Non, c'est elle qui m'apprend. Et j'ai envie de le lire comme la naissance et l'histoire d'un amour. Et je vais vous lire des poèmes d'Aragon, pour partie des poèmes de résistance, mais surtout des tirés de la Diane française, mais surtout des poèmes d'amour, tirés du Fou d'Elsa, pour accompagner cette histoire de mon déplacement de chercheur du service de la classe ouvrière à l'école de la classe ouvrière. Je rêve et je me réveille dans une odeur de lilas. De quel côté du sommeil t'ai-je ici laissé ou là? Je dormais dans ta mémoire et tu m'oubliais tout bas. Ou c'était l'inverse histoire? Étais-je où tu n'étais pas? Je me rendors pour t'atteindre au pays que tu songeas. Rien n'y fait que fuir et feindre. Toi, tu l'as quitté déjà. Dans la vie ou dans le songe, tout à cet étrange éclat du parfum qui se prolonge et d'un chant qui s'envola. Ô claire nuit, jour obscur, mon absente entre mes bras, et rien d'autre en moi ne dure que ce que tu murmuras. C'est par un autre enterrement que je commence le récit de ma démarche de chercheur, de la même époque, 1951. C'est mon arrière-grand-mère qui est enterrée. Je suis un tout petit gamin, je ne dis pas mes premiers, mais enfin de mes premiers souvenirs. Nous sommes dans un tout petit village des Vosges, un hameau de 4 maisons, dont l'école, mon père est instituteur. Les enfants viennent de plusieurs kilomètres à la ronde, c'est les sources de la Saône, donc c'est très irrigué, et c'est un habitat très dispersé. C'est un poste disciplinaire. Mon père n'a pas plu à l'inspecteur et il vient d'être envoyé sur ce poste. Nous sommes à 7 de 4 générations dans 2 pièces, dont la seconde a été construite à la hâte. Je me souviens que le plancher, enfin les solives étaient à même le sol et qu'on entendait les hérissons qui raclaient toutes les nuits. Mon père essayait de les récupérer, mais enfin, comme il était déjà assez écolo, il les repoussait un peu plus loin et revenait. Il y avait 4 maisons, donc, et pour aller chercher l'eau, il n'y avait pas d'eau dans la maison. Pour aller chercher l'eau potable, il fallait aller à la fontaine, qui était à 300 mètres de là. Quant à l'eau pour laver le linge, tout ça, c'était dans une mare à côté. Je me souviens des onglets de ma mère lorsqu'elle rentrait d'avoir lavé le linge. Et pour aller chercher le lait le matin à une ferme qui était dans un hameau voisin, à 200 ou 300 mètres, j'y allais à vélo avec mes 2 pots de camp là, de chaque côté et je devais franchir 2 obstacles, d'abord le dindon de Madame Villeminot en face. Les dindons, ça pince, hein. C'est assez agressif. Puis quand j'avais passé l'obstacle du dindon, j'arrivais à la ferme de Madame Drouot, que je trouvais au pied des vaches, sur son trépied, en train de traire. Alors, pour l'atteindre, je traversais les bouses, mais ça, j'y étais très habitué. Et la difficulté, c'était qu'il fallait embrasser Madame Drouot pour avoir droit au lait. Elle était un peu moustachue, elle sentait l'aigre, mais moi aussi, nous l'avions une fois par semaine, le samedi.
J'ai découvert la ville à 9 ans et demi. C'était pour l'examen d'entrée en 6e qui existait encore à l'époque. Mon père et moi, on a pris notre vélo qu'on a laissé dans un fossé à quelques kilomètres de là, là où le bus passait. C'était à 5h30 du matin. C'était en mars, donc il faisait nuit. Et puis on est arrivé à Épinal, la préfecture, dans un lycée qui était encore en préfabriqué parce que nous étions pas très loin de la guerre, hein, nous étions en 56. Et beaucoup n'avaient pas été reconstruits. Hein, les Allemands avaient largement incendié les villes du Nord-Est dans leur retraite. Et c'est la première fois que j'ai vu une foule, enfin, quelques centaines sans doute de gamins. J'avais jamais vu ça, j'étais complètement éberlué. Je me souviens pas du tout ce qui s'est passé dans la journée, mais là, alors là, à trouver à 7h30 du matin, dans une grande cour, tant de monde, ça m'a complètement éberlué. Dans le trousseau des internes, j'étais interne, bien sûr, dans le trousseau des internes, il était prévu une brosse à dents. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une brosse à dents. Mais c'est le maître d'internat qui m'a appris à m'en servir. Enfin, va pour la brosse à dents. Je vous propose, non pas un poème d'Aragon, mais une fable que nous connaissons tous, Le corbeau et le renard, pour nous mettre un peu dans l'ambiance de cette école rurale, la classe unique, comme on dit. Hein, j'ai eu mon père comme instituteur pendant toute l'école élémentaire. Dans ces petits villages, tous les cours étaient ensemble, ce qui était d'ailleurs très très bien, hein, parce que les oreilles se baladaient au-dessus, en dessous, il y avait des aides mutuelles, les plus grands aidaient les plus petits, enfin, c'était beaucoup mieux que nos classes de niveau un peu absurdes. Le corbeau et le renard, donc, on va peut-être le réciter ensemble. Maître Corbeau tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Sauf que ce n'était pas comme ça que les gamins récitaient dans cette école de beaux regards. Ce n'était pas comme ça parce que, remettons-nous dans l'ambiance d'une campagne totalement silencieuse, hein, il n'y a aucun moteur, personne n'a de voiture, personne n'a de tracteur, personne n'a d'instrument à moteur. Le grand silence d'une campagne du début des années 50 dans des villages très pauvres. Mais ce qu'on entend, outre les bruits des animaux, c'est les jurons. Oh, ça jure. Et jurer, c'est intransitif. Jurer que, ça ne veut rien dire. Mais jurer, ah ça oui. Alors les gamins, ils savent bien que ce n'est pas tout à fait politiquement correct de jurer. Alors quand dans une poésie scolaire, on leur propose de jurer, alors là, ça y va. Il faut voir les veines du cou dilatées, les yeux brillants, lorsque, dans la récitation, on entendait le corbeau honteux et confus jura. Puis après, il était bien emmerdé. Il y avait une fin. Une fin qui se disait donc, mais ça peut être qu'on ne lui prendrait plus. Parce que m'y prendre, ça ne veut rien dire. Hein? Mais pour une paysannerie très, très pauvre, prendre, ça, on sait ce que ça veut dire. Alors, on va réciter à la jeune
fille ou garçon du début des années 50 dans l'école de Bourgard, la fin, on ne va pas tout reprendre, hein, d'accord? Apprenez, mon beau monsieur, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Allez-y, cette leçon vaut bien un fromage, sans doute, et jurez comme les gamins, d'accord? Le renard, le corbeau, honteux et confus, jura! Puis après, vous terminez piteusement. Mais un peu tard qu'on ne lui prendrait plus. On reprend? C'est le seul moment interactif de la soirée. Profitez-en. Hein. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura! Mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Lorsque, au milieu des années 70, je commence ma thèse sur la sécurité sociale, je dispose d'une fable. Il était une fois Maître Larocque. Alors, pas Croizat. Croizat, il est totalement ignoré et soigneusement ignoré. Je n'ai jamais eu un seul cours sur la Sécu dans les années 60 qui m'ait parlé de Croizat. On nous parlait de Larocque, qui était un haut fonctionnaire qui avait dirigé le régime général au début, dans les premières années. Maître Larocque, sur son arbre perché, tenait dans ses griffes un patronat complètement déconsidéré par la collaboration. Il avait derrière lui 30% des voix au Parti communiste, une CGT à 5 millions, et dans son bec, le beau fromage du programme du Conseil national de la Résistance. Et dans ces conditions exceptionnelles, il a réussi l'exceptionnel. Un des buts essentiels de cette soirée, c'est de montrer que ceci est une fable. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et que le double enterrement de Croizat, celui qui se passe en 51, et celui qu'opère l'invisibilité de sa mémoire, a à voir avec cette fable. Outre cette fable, je disposais d'une hypothèse et de trois interprétations divergentes selon les écoles économiques. J'étais économiste. L'hypothèse, c'est que la sécurité sociale, c'est de la redistribution qui vient corriger, dans un but de justice sociale, de solidarité, la distribution primaire, comme on dit, des ressources. La distribution primaire des ressources, elle se fait entre salaire et profit. Et puis, par la cotisation, il y a une redistribution qui permet à la fois de modifier le rapport entre salaire et profit, et puis de corriger des inégalités de salaire directes en les compensant par des prestations sociales plus égalitaires. Alors, cette hypothèse d'une sécurité sociale vouée à la solidarité par une meilleure répartition de la valeur économique, une redistribution, cette hypothèse se déployait selon trois écoles différentes. Les enseignants, dans leur majorité, estimaient que point ne fallait trop de redistribution. La justesse économique, c'est la répartition initiale entre salaire et profit. Le profit reçoit sa part et les salariés, en fonction de leur contribution à la production de valeur, reçoivent leur part. Corriger cela à des fins de solidarité, il ne faut pas trop le faire. Il faut le faire parce que de trop grandes inégalités sociales ont un coût politique, par exemple, mais pas trop. La minorité des enseignants auxquels j'avais affaire
ou dont je lisais les ouvrages au début de ma thèse, était partagé entre des keynésiens et des marxistes. Les keynésiens disaient ceci: cette redistribution, c'est une nécessité pour le capitalisme fordiste. Vous avez peut-être, pour ceux d'entre vous qui ont fait SES, vous avez entendu parler du fordisme. Le fordisme, c'est cette étape du capitalisme, selon ces théoriciens dont je parle, cette étape du capitalisme qui correspond à une anecdote que l'on prête à Ford. Ford aurait dit à ses concurrents et confrères, mais plutôt que de produire des voitures de luxe avec des ouvriers mal payés, produisez donc des voitures de moyenne gamme avec des ouvriers bien payés qui vont les acheter. Et c'est sur l'économie d'échelle, c'est sur l'échelle de la production que vous allez faire du profit. Il y aurait donc eu une étape du capitalisme dans les années 40, 50, 60 qui aurait cherché le profit dans la production de masse. Sauf qu'une production de masse, il faut écouler la camelote. Et donc, il faut solvabiliser la population de la naissance à la tombe. La sécu, c'est une nécessité pour le capitalisme à son état fordiste, afin que la production de masse soit écoulée grâce à la solvabilisation de la population qu'opèrent les prestations sociales en plus du salaire. Du côté des marxistes, nous avions la même hypothèse que la redistribution était une nécessité pour le capital. Elle s'exprimait de la façon suivante. Chaque capitaliste pris dans la compétition intercapitaliste ne peut, dans le salaire, reconnaître que des besoins immédiats. Ceux qui font que, en termes de nourriture, de logement, de transport, etc., les travailleurs sont encore au boulot demain. Ça, c'est le salaire direct, qui reconnaît la reproduction simple de la force de travail. Mais la classe capitaliste, dans son ensemble, elle a besoin que, d'une part, il y a encore des travailleurs à la génération suivante, et puis que le niveau moyen de santé, de compétences technologiques, de culture, augmente. Et ça, chaque capitaliste, pris individuellement, ne peut pas le faire. Et c'est la classe capitaliste qui, à travers l'État capitaliste, s'impose une sécurité sociale qui assure la reproduction élargie de la force de travail. Vous voyez que l'on se tourne du côté des keynésiens. La sécu, c'est ce qui solvabilise la population, ce qui suscite une demande, ce qui nous sort de l'austérité et permet de soutenir la production industrielle. Ou que l'on soit du côté des marxistes qui nous disent la sécu, c'est nécessaire pour que la reproduction des forces de travail soit au niveau où la classe capitaliste a besoin qu'elle soit. Dans les deux cas, on n'explique pas pourquoi il y avait 1 million de personnes à l'enterrement de croisade. S'il a fait un truc nécessaire au capital. Vous voyez, je dispose d'explications qui sont extrêmement méprisantes. C'est un mépris de classe. Des travailleurs organisés qui estiment avoir conquis une institution nouvelle, on dit... Non, ce n'est pas une conquête, c'était nécessaire au capital. Une avancée démocratique, oui, bon, d'accord. Plus de solidarité, ok. Mais ce n'est pas une institution révolutionnaire, ça ne change pas la donne, ça ne nous fait pas sortir du capitalisme. Et vous voyez l'ébauche aussi d'une réponse à la seconde question. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle absence de mémoire
de cette mobilisation considérable autour de Croizat. Est-ce que nous sommes prêts à reconnaître que ce qui a été mis en place en 1946 est communiste, que c'est révolutionnaire? Si ça ne l'est pas, c'est peut-être pas nécessaire d'en faire vraiment mémoire. Je suis donc en 74, 75, 76, quand je démarre ma thèse, je suis militant communiste, je suis assistant contractuel, et comme chercheur communiste, j'adhère à la thèse de la Sécu comme soutien de la reproduction élargie de la force de travail. Et je m'intéresse au fait que, au fonctionnement du marché du travail. Je suis économiste du travail et je fais l'hypothèse que le salaire direct et les prestations sociales constituent des paniers de ressources différents d'une catégorie de salariés à l'autre. Pour dire globalement les choses, des ouvriers ont un panier de ressources qui contient un salaire direct et puis des allocations de chômage et des allocations familiales, alors que des cadres ont un panier de ressources qui contient un salaire direct et puis de l'assurance maladie et de la retraite, pour dire les choses très grossièrement. Et je fais l'hypothèse que pour que ouvriers et cadres soient présents sur le marché du travail, pour que le marché du travail fonctionne, le salaire direct ne suffit pas, il faut des prestations sociales adéquates à la place de chacun sur le marché. Pour qu'il y ait des ouvriers, il faut qu'il y ait du chômage qui soit reconnu. Pour qu'il y ait des cadres, il faut qu'il y ait de la retraite qui soit reconnue. Le salaire direct ne suffit pas pour faire fonctionner le marché du travail. Voilà comment je me lance dans une recherche sur le financement de la sécurité sociale, sur le type de ressources que génère un financement par cotisation ou par impôt, ou quel type de cotisation. Je n'ai évidemment aucune conscience, mais aucune, que je suis en train d'écrire le récit capitaliste du réel. Le récit capitaliste du réel, c'est de dire qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire. Le capitalisme est un système qui ne change que pour durer. On ne peut pas sortir du capitalisme. Demain, à demain peut-être, demain les riches seront pauvres et les pauvres seront riches. C'est ce que dans les religions traditionnelles on appelle le ciel. Mais qu'il y ait une classe révolutionnaire qui ait commencé à changer la donne du capitalisme, sûrement pas. Le poème d'Aragon que je vais lire ne se livre pas à première lecture. C'est un poème tiré de la Diane française. Pour ça, j'en fais un petit commentaire avant. La Diane française est écrite en 41, 42, 43, les poèmes de la Diane française. Ce sont des poèmes de résistance, Aragon est lui-même résistant, il change de local extrêmement souvent parce qu'il anime un réseau de résistance et il publie des poèmes qui sont faits pour être appris par cœur. Il ne fait pas bon être trouvé avec un poème d'Aragon dans sa poche. Ils sont publiés sous le manteau ou en Suisse, francophone, avec un passage au moins jusqu'en 1942 par la zone dite libre. Et dans ce poème, Aragon s'inquiète
du silence qui entoure les martyrs des résistants, du silence populaire. Et il identifie ce silence populaire à la trahison de Pierre, lorsque Jésus conduit devant le grand prêtre, où il est condamné à mort pour blasphème. Jésus est mis à mort par la religion, par les hommes de religion. Pierre, un de ses disciples, l'a suivi dans la cour du palais d'Hérode, du palais du grand prêtre, pardon. Il se réchauffe là, nous sommes au début du printemps, et il est reconnu comme disciple par des domestiques qui sont là, de Jésus, et par trois reprises, il nie, il a peur, et la troisième fois, il dit « Je ne connais pas cet homme ». Je ne connais pas cet homme. Trouver des mots à l'échelle du vent, trouver des mots qui pratiquent des brèches dans le sommeil, comme un soleil levant, des mots qui soient à nos soifs une eau fraîche, trouver des mots forts comme la folie, trouver des mots couleur de tous les jours, trouver des mots que personne n'oublie, feu pour l'aveugle et tonnerre aux sourds. Pour ne pas lire aux lèvres qui parlaient, à quelle nuit vos yeux se condamnèrent. Quand les martyrs criaient par chaque plaie le violon terrible de leurs nerfs, pendant ce temps, qu'avez-vous inventé? Vous fredonniez vos anciennes caroles, des mots sans suite et doux d'être chantés sur les tombeaux de l'anse des flammerolles. Dans quel silence infiniment tomba ce lourd remords de garder le silence, et votre cœur fut le volet qui bat dans l'insomnie un mur de faux semblances. Cœur ou caillou, puisqu'un jour nous dirons de l'homme « Je ne connais pas cet homme ». Nous porterons la rougeur à nos fronts d'avoir trahi ce que nous-mêmes sommes. C'était avant que le sang ne séchât, portant sa croix et souffrant son calvaire, que j'ai nommé Jésus sous les crachats, avec des mots comme des yeux ouverts, avec des mots à l'échelle du vent, avec des mots où notre amour se fonde, avec des mots comme un soleil levant, avec des mots simples comme le monde. C'est quoi un chercheur militant du dimanche? C'est un chercheur qui a deux casquettes. La casquette de semaine. Dans la casquette de semaine, il nous dit « il n'y a pas de classe révolutionnaire ». Pendant que les martyrs murmurent ce qu'il ne veut pas entendre, il continue ses anciennes caroles, des mots sans suite et doux d'être chantés. La protection sociale, ça assure le renouvellement élargi de la force de travail. Ça soutient la consommation pour éviter l'austérité. C'est de la solidarité. Avec un léger remords quand même. Un léger remords de... d'avoir trahi ce que nous-mêmes sommes. Mais enfin, en semaine, j'écris le récit capitaliste du réel. Par récit capitaliste du réel, ça c'est Gramsci qui nous aide à le comprendre. Gramsci, c'est ce secrétaire général du principal parti communiste d'Europe occidentale, l'Italie,
qui en 1937 est en prison, depuis bien avant 1937, puis il va mourir en 1937, des mauvais soins qu'il a eus en prison. Mussolini triomphe, le Parti communiste a perdu. Il s'interroge dans ses écrits de prison sur qu'est-ce qui fait qu'une classe dirigeante continue à diriger, et il réélabore le concept d'hégémonie. Une classe dirigeante le reste pour autant qu'elle est hégémonique, c'est-à-dire qu'elle convainc ceux qu'elle domine de son récit du réel. Et pour convaincre ceux que la classe dirigeante domine de son récit du réel, c'est encore mieux quand le récit du réel est fait par des chercheurs critiques, par des chercheurs de gauche. Ça brouille mieux les pistes. Il n'y a pas de complot là-dedans, rien du tout. C'est une position de classe spontanée du chercheur. Après une longue socialisation à l'école, à l'université, etc. Il y a un postulat de la science sociale. Il n'y a pas de classe révolutionnaire. Il y a une seule classe pour soi, la bourgeoisie. Si vous prenez les Passons Charlot, c'est ce qu'il raconte tout le temps. Si vous prenez Bourdieu, c'est ce qu'il nous dit tout le temps. Et comme quand même on est un peu titillé par le remords, alors on a une casquette du dimanche. La casquette du dimanche, c'est notre solidarité avec la classe ouvrière. Les travailleurs, c'est des victimes. Ce n'est pas des vainqueurs. Ce n'est pas une classe qui est en mesure d'instituer une alternative aux capitalistes. C'est des victimes. Le capitalisme est un système, avec un grand S, qui broie les peuples. Alors, un chercheur, surtout s'il est de gauche, s'il est communiste comme moi, ben, il est au service des victimes. Il est critique du capitalisme. Il écrit des articles critiques qui dénoncent ce système qui produit des victimes. Il milite pour la victoire de la classe ouvrière, mais le dimanche. Puisque la semaine, il démontre que ce n'est pas possible, ça n'a jamais fait, ça ne s'est jamais existé. J'étais d'autant moins conscient d'écrire en semaine le récit capitaliste de la sécurité sociale, solidarité, enfin vous voyez, hein, tout le truc qu'on raconte hein, en général, que au quotidien je m'opposais à la droite à l'université. Que j'étais dénoncé par des collègues, alors que j'étais contractuel, que j'étais dénoncé par des collègues comme faisant des enseignements non objectifs, dénoncé au recteur, ce qui est assez ennuyeux. Et menant sur mon lieu de travail une militance communiste, préparant, distribuant aux collègues des textes préparatoires au congrès de 76, où j'étais délégué, le 22e congrès, où j'étais délégué de ma fédération, par exemple, je ne pouvais pas penser que, dans ma pratique politique, je tirait un but contre mon camp. Cela dit, j'ai mis 18 ans à faire ma thèse, ce qui est long. Hein. Cela dit, c'était une thèse d'État. Les thèses d'État, il n'y a pas de durée. Hein. Je l'ai soutenue finalement en 93, je l'avais démarrée en 75. Pourquoi ? Parce que mon matériel ne correspondait pas à l'hypothèse que je sentais démontrer.
le fait que la protection sociale venait redoubler le salaire direct pour caser les ouvriers dans la case ouvrier, les cadres dans la case cadre, les employés dans la case employés, sur le marché du travail. Et ça commençait à faire longuet pour le recteur, qui en plus avait les oreilles titillées par quelques dénonciations, mais ne me renouvelait que du bout des lèvres d'année en année. Et heureusement, nous avons gagné une grève très longue, une grève des assistants contractuels qui s'est déroulée de 77 à 83, une grève nationale où nous ne rendions aucune note, où nous mettions la machine un peu en difficulté, nous obligions les profs à corriger tout. C'était d'une rage à notre encontre, évidemment considérable. Il y a eu des licenciements, il y a eu un suicide dans ma faculté, c'était une grève dure. Et au bout du compte, nous sommes titularisés en 84. Ce mouvement l'emporte. Mais il a fallu quand même 3 ans de gouvernement de gauche avant que le mouvement l'emporte. Nous sommes titularisés en 84 et heureusement parce que je n'aurais plus été renouvelé si je n'avais pas été titularisé. Et j'entre dans une logique de salaire à vie. Et heureusement, parce que j'étais perdu intellectuellement. Plus j'avançais dans mon matériel, moins il correspondait à mes hypothèses. Alors, si j'avais été obligé par la bibliométrie, par les évaluations du New Public Management, enfin toutes les sottises qui se mettent en place depuis 10 ou 15 ans, y compris à l'université, si j'avais été obligé de publier, j'ai rien publié à ce moment-là, de soutenir ma thèse, ben, j'aurais bricolé un truc rhétorique dans lequel j'essayais de rendre d'aplomb mon matériel et mes hypothèses, une thèse de plus qui n'aurait servi à rien, ni pour moi, ni pour les autres, mais qui aurait été estampillée dans les temps, disons. Heureusement donc que j'étais fonctionnaire, j'ai pu tenir, et puis en 89, le 6 août 89, j'ai eu une intuition qui m'a sorti d'affaire. Là, il faut que je vous raconte, parce que c'est intéressant, une intuition de chercheur. Nous étions au-dessus de Paimpol. Dans mon souvenir, c'était au-dessus d'une falaise. C'était un petit matin, le 6 août 89. Nous prenions nos vacances, pendant 20 ans, nous avons pris nos vacances dans un fourgon Ford Transit qu'on avait aménagé, et qui nous a permis de nous balader en changeant chaque jour de lieu, puisque nous ne faisions que du camping sauvage. Et donc, on se trouvait à proximité de Paimpol. Je sors sans faire trop de bruit. On était nombreux, hein. Il y avait un gamin sous le frigo. Il y avait, d'ailleurs, quand on sortait tous ensemble, les gens nous comptaient, puis ils se disaient, attendez, il y en a encore qui vont sortir. Enfin, bref, cateau de gauche, beaucoup d'enfants, enfin bref. Cateau de gauche, justement, pourquoi est-ce qu'on était à Paimpol? Parce que Françoise et moi, nous avions vu le premier film de Desplechin. Et le premier film de Desplechin, c'est met en scène André Dussolier, qui est l'oncle ou le père, je ne sais pas, de toute une cousinade qui attend le retour du corps d'un cousin décédé en Afrique. Ce film nous avait plu. Et dans Télérama, cateau de gauche, nous avions vu qu'il avait été filmé à Paimpol. Allez, opération Paimpol. On n'a pas trouvé le lieu, évidemment, mais c'est pour ça qu'on était là. Je me lève donc de grand matin, le 6 août. Je me dis, mais bien sûr. Vous savez, l'œuvre de Christophe Colomb. Hein. Mais bien sûr, c'est pas la sécu qui confirme le rôle d'affectation à des places dans le marché du travail
qu'opère le salaire, c'est tout à fait l'inverse. C'est la socialisation du salaire qu'opère la Sécu qui déconnecte le salaire direct du marché du travail, qui libère les travailleurs de la soumission au marché du travail. Et en inversant mon hypothèse, alors mon matériel s'éclairait. Bon, il a fallu encore quelques années, hein, en 1993, je soutiens ma thèse. Et je publie beaucoup, d'autant que ce que je propose est une interprétation tout à fait intéressante de la crise et de la réforme. La réforme, vous savez, ça démarre au début des années 90 avec Rocard. Et j'explique que la réforme a comme objectif d'en finir avec la socialisation du salaire en distribuant des ressources qui, elles, sont adéquates au marché du travail. D'une part, des ressources beaucoup plus contributives dans des régimes complémentaires de santé ou de vieillesse. J'ai cotisé, j'ai droit. Une réforme de l'assurance vieillesse où on passe des 10 aux 25 meilleures années, donc c'est beaucoup plus contributif. Ça. La contributivité, c'est le rapport entre les cotisations et les prestations. Donc à la fois, on durcit le côté contributif de toute une série de prestations, puis en même temps, on crée le RMI, la CSG, qui fiscalise ce qui relevait jusqu'ici du salaire pour les allocations familiales ou pour des emplois peu qualifiés. Et cette interprétation que je propose est beaucoup plus intéressante et donc est largement publiée dans de nombreuses revues que ce que proposent les collègues. Les collègues, ils sont très emmerdés, hein, par la réforme, puisqu'ils vont racontant depuis 20 ans que la Sécu, c'est une nécessité pour le capital. Et puis, pas de pauvre, voilà que le capital s'attaque à la Sécu. Ah ben, il trouve le truc. Le néolibéralisme. Thatcher, Reagan. Il y a un tournant dans le capitalisme. C'est une connerie, hein, ça n'explique rien du tout. Hein. Mais ça marche encore. Hein. Peut-être que certains d'entre vous pensent qu'il y a du néolibéralisme par un tournant de deux salopards, Madame Thatcher et Reagan, une boutiquière et un comédien. Donc tout ça n'est pas sérieux, mais ce que je propose semble l'être. On verra que ça ne l'est pas davantage, hein, mais ça, il faut que j'avance encore. Hein. Ce que je propose semble l'être, je publie un ouvrage qui prolonge ma thèse en 98. Puissance du salariat, cet ouvrage a un accueil extrêmement favorable et ça me vaut d'une part de passer ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches en sociologie, je quitte l'économie, j'en ai absolument ras-le-bol de cette discipline du pouvoir. Avec ma thèse d'état, j'avais une HDR, mais je ne pouvais pas prendre de doctorant, sinon je les aurais menés au casse-pipe, évidemment. Je passe à la sociologie. Je suis élu prof de sociologie à Nanterre, je fonde l'Institut européen du salariat, ma thèse du salaire socialisé est reprise officiellement par la CGT qui dit « arrêtons de parler de salaire différé, c'est du salaire socialisé ». Bref, pour quelqu'un qui était au service de la classe ouvrière, c'est pas mal que ces travaux soient repris par une organisation ouvrière comme la CGT. Mais plus je vais bien, plus ça va mal pour la Sécu. Nous sommes en pleine réforme Balladur, puis Juppé. Et plus ça va mal, plus je suis éperdument solidaire. Vous voyez, c'est absolument noué, ça, hein, d'accord? Dès lors que vous avez déclaré que les travailleurs sont des victimes, vous avez la bonne conscience de la solidarité dont vous n'arrivez pas à vous sortir. D'autant qu'en plus, alors, il y a la victoire des cheminots de 95 qui nous fait croire qu'après tout, la réforme va peut-être pouvoir quand même y échapper plus ou moins. C'est là que Attac naît,
en 97, dans la foulée de cette victoire qui redynamise le mouvement social. Chez les économistes, il y a également toute une série de prises de position novatrices. Et pourtant, je ne vais pas pouvoir rester dans ce confort de la double casquette. Je ne vais pas pouvoir rester parce que à la victoire de 1995 succède d'une part 2002, qui nous déstabilise un peu tous, et puis 2003. 2003, les syndicats ont vraiment préparé l'affrontement à la réforme Fillon des retraites. Il y a une forte mobilisation, surtout chez les enseignants, hein, parce que cette réforme vise d'abord la fonction publique. Je me souviens, mais vous vous souvenez aussi, dans les cortèges, du dynamisme incroyable des jeunes enseignants. Et Chirac, qui est un fin politique, d'une part, décide de faire passer l'envie de se mobiliser, aux enseignants en particulier, en les punissant extrêmement sévèrement. Nombreux collègues n'ont aucun salaire, ni en juillet, ni en août, ni en septembre 2003, alors que jusque-là, les salaires étaient étalés, enfin, les retenues sur salaire étaient étalées. Le Premier ministre Raffarin nous punit collectivement. Vous savez que c'est l'année où 15 000 personnes âgées meurent du fait de la canicule. Moi, j'étais en mission scientifique au Brésil en août 2003. Je voyais des grands titres de journaux brésiliens éberlués que dans un pays comme la France, une canicule fasse mourir 15 000 personnes. Alors Raffarin a dit que c'était de notre faute, hein, qu'on n'avait pas été foutus d'être solidaires et qu'on travaillerait désormais gratuitement le lundi de Pentecôte. Il y a encore plus grave, hein, dans la façon dont Chirac va aborder cette victoire dont il sait qu'elle peut être très coûteuse. La victoire de Sarkozy sur les retraites en 2010 lui a coûté la présidentielle de 2012. Et Chirac va diviser le camp adverse. Il invente l'affaire du voile et depuis, notre débat public est totalement pourri par une récupération raciste de la laïcité comme le Front National et la droite savent le faire, mais aussi, hélas, plusieurs à gauche. Elsa au miroir, tirée de la Diane française. C'était au beau milieu de notre tragédie, et pendant un long jour, assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or. Je croyais voir ses patientes mains calmer un incendie. C'était au beau milieu de notre tragédie. Et pendant un long jour, assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or et j'aurais dit, c'était au beau milieu de notre tragédie qu'elle jouait un air de harpe sans y croire pendant tout ce long jour, assise à son miroir. Elle peignait ses cheveux d'or et j'aurais dit qu'elle martyrisait à plaisir sa mémoire pendant tout ce long jour, assise à son miroir, à ranimer les fleurs sans fin de l'incendie, sans dire ce qu'une autre à sa place aurait dit. Et le martyrisait à plaisir sa mémoire, c'était au beau milieu de notre tragédie. Le monde ressemblait à ce miroir maudit, le peigne partageait les feux de cette moire et ces feux éclairaient des coins de ma mémoire. C'était au beau milieu de notre tragédie
comme dans la semaine est assis le jeudi, et pendant un long jour, assise à sa mémoire, et le voyait au loin mourir dans son miroir, un à un, les acteurs de notre tragédie, et qui sont les meilleurs de ce monde maudit, et vous savez leurs noms, sans que je les ai dit, et ce que signifient les flammes des longs soirs, et ses cheveux dorés, quand elle vient s'asseoir, et peigner sans rien dire, un reflet d'incendie. Installés dans le milieu de notre tragédie, nous énonçons un à un les noms des entreprises délocalisées, des combats perdus. Et ça va continuer. 2005, c'est le non au référendum volé. En 2007, c'est l'échec des électriciens cheminots qui avaient gagné en 95. La réforme est reportée de 12 ans. Et puis en 2010, c'est l'échec de la plus grande mobilisation depuis la libération, la mobilisation contre la réforme des retraites, avec des syndicats qui avaient préparé, enfin qui avaient astiqué jusqu'au bouton de guêtre. Les PowerPoint, les documents, des documents très bien faits, mobilisation considérable, un échec total. Je ne peux plus me contenter de ma militance du dimanche. Il y a un truc qui ne va pas. Et c'est là que je vais être complètement obligé de réévaluer le matériel que j'avais analysé et l'interprétation que j'en proposais. Parce qu'on ne pouvait pas se contenter d'expliquer cet échec massif après une mobilisation massive et extrêmement bien préparée par le fait qu'en face, ils sont forts. Si, certains s'en sont tirés, hein, le système nous broie. Mais cette explication-là est absurde. Et je me suis demandé si, à l'origine de notre défaite, il n'y avait pas des fautes stratégiques de notre part. Et là, j'ai été amené à réélaborer des choses que je sentais depuis 2003, mais que je n'avais pas pu vraiment bien formuler. C'est que nous nous sommes battus sur des thématiques qui sont les thématiques de l'adversaire. Nous nous sommes battus avec le mot d'ordre de la solidarité intergénérationnelle. Or, la solidarité intergénérationnelle, c'est précisément le discours capitaliste sur la retraite. Qu'est-ce que ça veut dire, solidarité intergénérationnelle ? Ça veut dire que ma femme m'a dit, pense à boire, tu ne penses jamais assez à boire. Elle n'est pas là, mais elle est là quand même en statut du commandeur. Non, elle est là. Elle est là en amante à qui je rends hommage dans tous les poèmes que je lis. Dire que la retraite, c'est de la solidarité intergénérationnelle, c'est faire mourir une deuxième fois Croizat. Ça veut dire que les retraités ne travaillent pas, que les retraités sont des gens utiles, mais qu'ils ne produisent pas de valeur économique. On ne travaille
que si on se soumet à un employeur pour produire des marchandises capitalistes. C'est la définition capitaliste du travail qui est vraie, et puis les autres dépensent. Les fonctionnaires dépensent, les soignants dépensent, les parents dépensent, les retraités dépensent. Mais qu'est-ce qu'ils sont légitimes à dépenser, ces retraités, qui ne produisent rien que des choses utiles, d'accord? Mais ça, c'est de l'utilité sociale, c'est le travail concret. Mais en production de valeur économique, en travail, au sens de la production de valeur économique, ils font rien. Donc, à quoi ils ont droit? Ben, ils ont droit à l'équivalent de la solidarité dont ils ont fait preuve quand ils étaient eux-mêmes actifs. Ils n'ont pas tout dépensé, leur salaire. Ils en ont mis au pot commun. Ils ont été solidaires. Solidaires, il faut que ça fasse gling-gling, hein, d'accord? Ils ont été solidaires. C'est ça la sécu, hein, c'est de la solidarité, paraît-il. Ils ont été solidaires. Et c'est normal que maintenant qu'ils ne sont plus productifs, ben, ils récupèrent, non pas individuellement, mais que la génération, leur génération, récupère leur contribution à la solidarité à travers les cotisations actuelles des actifs. C'est le discours capitaliste sur le travail. On ne travaille que si on se soumet à un employeur pour produire des marchandises capitalistes et mettre en valeur son capital. Sinon, on dépense. C'est le « j'ai cotisé, j'ai droit » qui préside à la réforme depuis Rocard. Non pas « j'ai droit à un pourcentage de mon salaire quand je suis retraité, je n'ai pas droit au salaire, j'ai droit à un différé de mon salaire ancien à travers les cotisations actuelles des actifs. » C'est pour cela que le salaire de référence doit passer des 10 aux 25 meilleures années. Et même la CFDT revendique que ce soit toute la carrière. Vous voyez que la réforme, ça n'est pas du tout un conflit entre répartition et capitalisation, parce qu'on s'est aussi battu sur un mot d'ordre absurde. Oui à la répartition, non à la capitalisation. Vous connaissez les chiffres? Dans toute l'Europe occidentale, la retraite, c'est à 90% répartition, 10% capitalisation, y compris en prenant l'Angleterre, enfin des pays où il y a des fonds de pension. En France, on est un peu au-dessus de la moyenne, 97% répartition, 3% capitalisation. Mais on est qu'un petit peu au-dessus. La classe dirigeante, son problème, c'est pas d'en finir avec la répartition. Son problème, c'est de mettre en valeur une pratique capitaliste de la répartition contre une pratique communiste de la répartition. La pratique capitaliste de la répartition, c'est celle qui dit « j'ai cotisé, j'ai droit ». Non pas au niveau individuel, hein, nous avons cotisé, nous avons droit. C'est la GIRC-ARRCO. C'est la réforme du régime général avec une durée croissante des salaires de référence. Est-ce qu'il existe une autre répartition? Mais bien sûr, c'est celle que Croizat a mise en place. Et si nous avons perdu le souvenir de l'enterrement de Croizat, c'est parce que nous sommes dans le discours du capital sur la retraite et que nous ne voyons pas du tout que Croizat a créé un régime communiste de retraite contre le régime capitaliste. La répartition communiste à la Croizat, c'est, sur le modèle de la fonction publique, une pension qui n'est pas du tout fonction de la somme des cotisations de carrière. Une pension qui est un taux de remplacement d'un salaire de référence. Voilà les grands mots. Salaire de référence, taux de remplacement. Ça, c'est des mots que vous n'avez jamais dans la GIRC-ARRCO. C'est somme des cotisations
qui vaut une rente viagère à la hauteur des cotisations accumulées. Le mot salaire n'est jamais prononcé, le mot taux de remplacement n'est jamais prononcé. Ce n'est pas du salaire, c'est du revenu différé. Ça, c'est la répartition capitaliste. Pourquoi capitaliste ? Parce qu'elle ne change pas la pratique du travail. Changer la société, comme le dit très justement la CGT, c'est changer le travail. Non, pas le travail concret. C'est pas parce que, je sais pas quoi, les postiers vont mettre dans l'autre sens la boîte, les enveloppes dans la boîte aux lettres qu'on aura changé le travail. C'est pas de ça qu'il s'agit, hein, d'accord, hein. C'est changer le statut du travailleur. C'est changer ce qu'on appelle travail. Or, dans la retraite telle que la préconisent les réformateurs et telle qu'ils la pratiquent en réformant un régime général et en exaltant la Gercarco, le travail n'existe que si on met en valeur du capital. C'est la définition capitaliste du travail. Un retraité ne travaille pas. Croizat dit totalement le contraire. Un retraité travaille. Un retraité produit de la valeur. Un retraité a droit au salaire. Et le régime général qu'il construit, c'est, dans la proposition de la CGT, à 55 ans, alors c'est pas, nous sommes là en 95, hein, dans le dernier congrès de la CGT qui est discuté de l'âge, puisqu'ensuite c'est les repères revendicatifs et que c'est plus le congrès qui en décide, mais le CCN. Si bien que les congrès ne décident de plus rien, mais enfin ça, c'est une petite parenthèse à tout hasard. La revendication, la proposition, c'est à 55 ans, droit à 75% du meilleur salaire net. C'est-à-dire, du salaire brut, pardon, c'est-à-dire 100% du net, puisqu'il y a 22% de cotisation salariée. Donc, la proposition, c'est à 55 ans, nous avons droit à vie à 100% de notre meilleur salaire net. Alors, la dernière victoire, c'est en 72, les 10 meilleures années, mais dans l'esprit de la CGT, c'est en attendant que ce soit les 5 meilleures, puis les 2 meilleures, puis la meilleure, puis les 6 meilleurs mois, comme dans la fonction publique, bien sûr. Et on n'en est pas très loin, vous savez. Quand on regarde les statistiques au début des années 90 sur le taux de remplacement du dernier, ce n'est pas le meilleur, mais enfin du dernier salaire dans le privé par la retraite pour les salariés nés en 1930, qui ont donc 60 ans en 90. Le taux de remplacement, pour ceux qui ont une carrière complète, est de 83% en moyenne. Les salariés touchent en moyenne 83% de leur dernier salaire. 100% si le dernier salaire était le SMIC, 60% si le dernier salaire était supérieur à 20 000 francs, c'est-à-dire à 3 000 euros. 10% des salariés gagnent plus de 3 000 euros. Donc vous voyez, nous sommes pas totalement dans la réussite de la bagarre de la CGT. Depuis avant Croizat, bien sûr. Croizat, c'est un figure emblématique de dizaines de milliers de militants, bien sûr. Hein. Quand je dis Croizat, pensez milliers de militants, de la CGT, bien sûr. Hein. Pas que de la CGT, hein, par la suite, Solidaires, FSU, etc., bien sûr. Hein. Je serai plus nuancé pour FO. On ne sait jamais de quel côté il tombe. Hein, FO... Et puis, quant à la CFDT, bon, ça, c'est fini, ils sont passés de l'autre côté. C'est pas encore 100%, mais c'est quand même pas mal. Ça veut dire quoi, qu'à 55 ans, on a droit à 100% de son meilleur salaire? Ça veut pas dire que la retraite, c'est du loisir après une longue vie de travail. Ça veut dire que la retraite, c'est le moment où on a conquis le droit d'être payé sans avoir à aller sur le marché du travail. D'ailleurs, quand on interroge les retraités sur leur rapport... Alors, je parle des retraités qui ont une pension proche de leur salaire, plutôt des hommes. Pension moyenne des hommes, 1600 euros net. Pension moyenne des femmes, 1100 euros. Donc, plutôt des hommes. Quand on interroge... ces retraités, sur leur rapport au travail, ils ont un rapport très apaisé. Ils n'ont jamais autant travaillé. Parfois, ils ont acheté un agenda depuis qu'ils sont retraités. Et quand on pousse plus loin la question, alors pourquoi vous êtes heureux ?
ça tombe tous les mois. J'ose pas le dire. J'ose pas le dire quand je pense à mes petits-enfants qui ont tant de mal. Ça tombe tous les mois. Ils vous le diront jamais qu'ils ont un salaire à vie. Ça leur écorche la bouche. De même qu'un fonctionnaire ne vous dira jamais qu'il a un salaire à vie. C'est trop révolutionnaire. On a tellement renoncé à la révolution qu'on ne va pas assumer l'activité révolutionnaire de Croizat. On va commémorer, faire les 70 ans de la Sécu, mais actualiser, ben non. Mais vous voyez que ce que commence à instituer la classe ouvrière en disant « la retraite, c'est du salaire !» Et le salaire, c'est ce qui reconnaît notre participation à la production de valeurs économiques. On change la définition du travail. C'est exactement ce qu'avait fait Croizat pour les allocations familiales aussi. La loi d'août 1946 sur les allocations familiales, d'une part, déconnecte les allocations familiales de l'emploi, jusque-là, jusqu'en 1946. Enfin, ça avait déjà commencé à évoluer. Mais c'est la loi vraiment qui l'exprime correctement. Quelqu'un qui avait des enfants à charge, mais était en arrêt de maladie, pas d'alloc. Au chômage, pas d'alloc. En retraite, pas d'alloc. Il fallait être actif, occupé, dans son nom d'emploi, pour avoir droit à ce supplément familial. La loi Croizat déconnecte de l'emploi les allocs. Mais deuxièmement, elle dit que c'est du salaire. C'est du salaire versé par les employeurs et c'est 225 heures pour deux enfants, 225 heures de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie de la région parisienne. Et ça évolue comme le salaire horaire de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie de la région parisienne. 225 heures, c'est plus que ce que faisaient les OS à l'époque par mois. Ça veut donc dire qu'on produit plus en étant parent qu'en étant dans l'emploi. C'est tout à fait révolutionnaire de sortir le travail du carcan capitaliste. C'est ça, faire la révolution. C'est changer le travail. En 1947, quand on regarde les statistiques du salaire ouvrier, les ouvriers en moyenne 3 enfants, la moitié du salaire ouvrier, c'est les allocs. Ça veut dire que pour être reconnu comme producteur, il n'y a pas que le chemin capitaliste de l'emploi. Il y a aussi le fait d'être parent. Il y a aussi le fait d'être retraité. Vous voyez que quand on commence à bien distinguer la logique de la répartition qui finance l'Agirc-Arrco, modalité capitaliste de retraite, et la logique de la répartition qui finance le régime général, modalité communiste de retraite, il y a une lutte de classe interne à la sécurité sociale. Moi, je ne défends pas la Sécu. Toute une partie de la sécurité sociale est capitaliste. Et ce que nous avons fait entre 2000 et 2010, c'est de défendre la répartition au nom de la solidarité intergénérationnelle. Nous étions sur le terrain de nos adversaires. Et quand on est sur le terrain de nos adversaires, on perd. C'est assez normal. Retrouver l'autonomie de notre agenda, de notre discours. C'est ça qui est fondamental. Et pour ça, il faut que nous comprenions pourquoi Croizat a suscité 1 million de personnes dans Paris à son enterrement, en février, sous une pluie battante. Et pourquoi il est ignoré de notre mémoire collective. C'est la réponse à ces deux questions qui est centrale et qui permet de traiter l'affaire. Oui, en 1946, nos anciens instituent le travail sur un mode révolutionnaire. Ils le sortent du carcan capitaliste. Oui,
les résistants, les martyrs de la résistance, n'ont pas résisté en vain. Oui, ils ont ouvert des lendemains qui chantent. Et pour que, définitivement, le petit sourire narquois qui accompagne l'expression « lendemain qui chante » souvent, y compris chez nous, se fige et se taise, je vous lis le poème de résistance d'Aragon le plus célèbre qui a été appris par cœur par les maquisards. Et qui a été écrit à partir de la lettre que Gabriel Péri, député communiste, fusillé au Mont-Valérien en décembre 1941, écrit à l'occasion du premier anniversaire de sa mort, nous dit sur les lendemains qui chantent. Ballade de celui qui chanta dans les supplices. Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. La voix qui monte des fers parle pour les lendemains. On dit que dans sa cellule, deux hommes, cette nuit-là, lui murmuraient « Capitule, de cette vie, es-tu là ? Tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre comme nous. Dis le mot qui te délivre et tu peux vivre à genoux. » Et si c'était à refaire, je referais ce chemin. La voix qui monte des fers parle pour les lendemains. Rien qu'un mot. La porte cède, s'ouvre et tu sors. Rien qu'un mot, le bourreau se dépossède. Sésame, finis tes mots. Rien qu'un mot, rien qu'un mensonge pour transformer ton destin. Songe, 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 songe à la douceur des matins. Et si c'était à refaire, je referais ce chemin. La voix qui monte des fers parle aux hommes de demain. J'ai tout dit ce qu'on peut dire, l'exemple du roi Henri, un cheval pour mon empire, une messe pour Paris, rien à faire. Alors qu'ils partent, sur lui retombe son sang. C'était son unique carte, périsse cet innocent. Et si c'était à refaire, referait-il ce chemin ? La voix qui monte des fers dit « Je le ferai demain. Je meurs et France demeure, mon amour et mon refus. Ô mes amis, si je meurs, vous saurez pourquoi ce fut. » Ils sont venus pour le prendre. Ils parlent en allemand. L'un traduit « Veux-tu te rendre ?» Il répète calmement. Et si c'était à refaire, je referais ce chemin. Sous vos coups chargés de fer, que chantent les lendemains. Il chantait, lui, sous les balles, des mots sanglants élevés, d'une seconde rafale. Il a fallu l'achever. Une autre chanson française à ses lèvres est montée, finissant la Marseillaise pour toute l'humanité. Pour ceux d'entre vous qui ont vu la vidéo d'Usul, U-S-U-L, pour les plus âgés qui ne l'ont pas vu, mais les plus jeunes l'ont vu, vous faites Usul, Friot, sur un moteur de recherche, vous allez tomber sur 35 minutes d'une vidéo fort bien faite sur le salaire à vie. Et il y a un moment assez fandard dans cette vidéo où on voit un mec qui tond son gazon. Bon, il tond son gazon. C'est une activité utile, en tout cas si on n'est pas pour la vermiculture ou si on n'est pas le voisin qui supporte le bruit. Mais en fait, il ne produit pas. C'est une activité, ce n'est pas du travail. Hein. S'il travaille, c'est la part de l'activité qui produit de la valeur. Un fonctionnaire territorial, employé municipal, tond du gazon. Alors lui, non seulement il ne produit pas, mais il dépense.
un salarié de Veolia à qui la commune a confié la concession de l'entretien des espaces verts, tour du gazon. Ben, il travaille. Quel est l'enjeu de la définition du travail, la lutte de classe ? Quel est l'enjeu pour la classe dirigeante, à partir de Rocard, de préconiser l'Argir-Carco et les cotisations de toute la carrière contre le régime général et le régime des fonctionnaires, la lutte de classe ? Pourquoi notre défaite ? Parce que nous ne menons pas la lutte de classe. Puisque nous nous battons comme s'il n'y avait pas en jeu le changement du travail. Puisque nous admettons que les retraités ne travaillent pas. Vous voyez bien que ce qui définit du travail, ça n'est pas du tout ce que nous faisons. La même activité tonte de gazon est, n'est pas, ou est encore pire de la dépense que du travail. Alors là, il faut définir quelques gros mots. Valeur, lutte de classe, révolution, communisme. Allons-y. Valeur. La valeur économique, c'est ce que mesure le PIB. C'est la somme des valeurs ajoutées des entreprises. La valeur économique, c'est ce que produit le travail. Toute notre activité n'est pas du travail. L'activité, c'est la notion la plus large, c'est l'occupation essentielle de notre vie éveillée. On a des activités, mais ça ne veut pas dire qu'on travaille. Si, comme parent, je conduis mes gamins à l'école, c'est une activité, mais je ne travaille pas. Si une assistante maternelle conduit mes gamins à l'école, c'est la même activité, mais elle travaille. Vous voyez que ce que l'on appelle travail n'est pas décidé par ce que l'on fait et ou n'est pas du travail. Ce n'est pas parce que c'est pénible que c'est du travail, ce n'est pas parce que c'est amusant que ce n'est pas du travail, tout ça n'a rien à voir, d'accord ? Ce n'est pas parce que c'est de la production d'infrastructures que c'est du travail, que c'est des services que ce n'est pas du travail, tout ça c'est totalement aberrant comme fondement du travail. Ce qui va décider qu'une activité est ou n'est pas du travail, c'est l'institution dans laquelle elle s'inscrit. Si une activité s'inscrit dans un emploi, pouf, ça devient du travail. Vous conditionnez du médiateur. C'est-à-dire que vous participez à tuer pas mal de gens. C'est du travail. D'accord ? Il suffit que ce soit dans un emploi et que ça mette en valeur du capital. Ça enrichit Servier, mais c'est du travail. Ce que nous appelons travail, ce que nous appelons valeur économique, c'est l'enjeu essentiel de la lutte de classe, deuxième mot. Premier mot, valeur économique, la part de l'activité qui est réputée être du travail. Deuxièmement, lutte de classe. Eh bien, l'enjeu essentiel de la lutte de classe, c'est la pratique du travail. C'est la définition de la valeur. C'est la classe qui définit ce qui vaut dans ce que nous faisons, qui a le pouvoir. Et l'enjeu essentiel de la lutte de classe, c'est de changer la pratique du travail. C'est pourquoi, à fort juste titre, la CGT dit « changer le travail pour changer la société ». Troisième mot, révolution. Là, nous sommes victimes d'une identification de la révolution à 1789, surtout en France. Mais ce que faisant, nous,
nous mettons la charrue du changement de régime politique avant les bœufs du changement de régime économique. 1789, c'est le changement de régime politique. Sauf que ce changement n'est possible à la fin du XVIIIe siècle que parce que depuis 4 siècles, la bourgeoisie a éliminé l'aristocratie de la maîtrise de la valeur économique. Ce n'est plus l'aristocratie qui maîtrise la valeur économique et le travail, c'est la bourgeoisie. Une fois qu'elle a marginalisé le mode de production féodal, qu'elle l'a remplacé par le mode de production capitaliste, alors il est possible de changer le régime politique, mais pas avant. Nous avons la même tâche historique. Sortir du capitalisme, ça ne se fait pas en commençant par changer le régime politique. Sortir du capitalisme, ça se fait en changeant la pratique du travail. Ça se fait en changeant la pratique de la valeur économique, en changeant ce qui est décidé valoir et la façon dont on le produit. Et cela suppose que changent 2 grandes institutions. Première institution, le statut du producteur. 2e institution, ce qu'on appelle le travail abstrait dans le langage technique marxiste. 2e institution, le régime de propriété. C'est ce que fait la bourgeoisie, mais il faut plusieurs siècles, ça ne se fait pas en 5 minutes tout cela. Elle passe, elle marginalise un mode de production qui était fondé sur des serfs, sur le servage, et elle construit un mode de production qui est fondé sur des individus libres, sur un marché du travail. C'est un grand progrès. Il vaut mieux être individu libre que serf. Aujourd'hui, il faut que nous nous débarrassions du marché du travail, bien sûr. Mais au 15e, 16e, 17e siècle, imposer la sortie du servage pour imposer la liberté des individus sur le marché du travail, c'est un énorme changement progressiste que, dont la bourgeoisie, comme classe révolutionnaire qui a réussi, va mener, va être à l'initiative. 2e changement, le régime de propriété. La propriété aristocratique, la propriété féodale, est changé, et ça suppose une énorme évolution du droit. Beaucoup de travaux le montrent, il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur toutes ces choses-là, au bénéfice du droit de propriété lucrative. J'ai un patrimoine, j'ai le droit d'en tirer un revenu. C'était impensable au XIIIe siècle qu'on puisse retirer un revenu d'un patrimoine. C'est la bourgeoisie qui va progressivement construire ce droit-là qui lui permet le profit. Je suis propriétaire de l'outil de travail. Des travailleurs sont embauchés sur cet outil et je récupère une partie de la valeur qu'ils produisent. Donc, mon patrimoine me permet de ponctionner sur le travail d'autrui. Mon patrimoine est à l'origine d'un revenu légitime au nom du droit de propriété lucrative. C'est cela qu'opère la bourgeoisie. C'est en ce sens-là qu'elle est une classe révolutionnaire. Et de la cerise sur le gâteau apparaît, vient lorsque le boulot du changement de régime économique est fait, c'est le changement de régime politique. Alors, attention, changement de régime politique, ce n'est pas passer de la 5e à la 6e République. Ça fait, nous sommes à la 5e République, on n'est pas sorti du capitalisme. Donc, c'est pas, ne confondons pas autour et alentour. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer à la 6e République, mais je veux dire que c'est hors sujet. C'est pas, nous sommes dans, le changement de régime économique, régime de propriété, statut du producteur. Ça suppose que l'on soit au pouvoir sur des strapontins pendant 1 an, comme l'ont été les communistes. Si on n'est pas au pouvoir jamais, ce n'est pas possible.
parce qu'il faut changer la loi pour changer les institutions. Ça ne peut pas se faire uniquement par des changements ici et maintenant, dans une addition de productions alternatives locales. Ça, ce n'est pas possible. Il faut des productions alternatives locales et des institutions macroéconomiques. C'est les deux. C'est ce que fait la bourgeoisie. Elle produit localement. Vous voyez, revenons encore sur la révolution. La révolution, ça n'est pas une meilleure répartition de la valeur. Ou revenons sur la lutte de classe. La lutte de classe, ce n'est pas de mieux répartir la valeur. Si la bourgeoisie avait mené la lutte de classe pour une meilleure répartition de la valeur féodale, on serait toujours dans la féodalité. Si la bourgeoisie avait dit « De l'argent, il y en a dans les poches des aristocrates, et on va les taxer, et vous allez voir ce que vous allez voir », on serait toujours dans la féodalité. On aurait mieux réparti la valeur, on aurait fait de la solidarité, on aurait fait de la justice sociale. La lutte de classe, ce n'est pas une meilleure répartition de la valeur. La lutte de classe, c'est le changement dans la pratique de la valeur. C'est de produire autre chose autrement. Communisme. Communisme, c'est la souveraineté populaire sur la valeur. C'est le fait que les travailleurs sont reconnus comme les seuls producteurs de valeur et donc devant décider de ce qui est produit. Être les propriétaires d'usage de l'entreprise. Décider de l'investissement. Décider de ce qui est produit concrètement, de la façon dont on produit, etc. Question. Est-ce que ce que met en place Croizat en 1946, c'est du communisme ? Est-ce que c'est révolutionnaire ? Réponse, oui. Je serai amené à argumenter davantage dans la seconde partie, il faut un peu de teasing sur la seconde partie, sur ce oui. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est ce oui qui me fait vivre désormais et qui du coup fait que je ne suis plus au service de la classe ouvrière parce que c'est des victimes. Je suis à l'école de la classe ouvrière parce qu'elle m'apprend comment émanciper le travail du carcan capitaliste. Et du coup, l'objet de mon travail a complètement changé. J'y ai été aidé par Paimpol, précisément. Un jour, je raconte à un de mes doctorants l'affaire Paimpol. Il n'y avait pas encore de smartphone, tout ça, mais il connaissait du bout du doigt la filmographie de Desplechin, dans quel film Dussoli avait joué, etc. Il me dit, écoute, il y a quand même un truc, Desplechin n'a pas fait de film en 89, Dussoli n'a jamais joué dans un film de Desplechin, je ne vois pas le truc où des cousinats attendent leur... rien de tout ça. Ensuite, je cause à une collègue qui, elle, et des Côtes d'Armor, qui me dit, écoute, il n'y a pas de falaise à Paimpol. C'est très ennuyeux. Quand on a construit toute la relecture de sa démarche intellectuelle sur le fait que, heureusement que j'ai inversé mon hypothèse, que le rapport entre salaire direct et prestations sociales, je l'ai inversé. Ce n'est plus la prestation sociale qui est sur le modèle du salaire direct, c'est l'inverse. Heureusement que j'ai fait cette opération assez classique de la recherche. Sauf que ça ne nous fait rien trouver. Trouver, ce n'est pas modifier notre hypothèse pour qu'elle soit plus adéquate à notre objet. Ça, c'est ce qu'il faut absolument pour faire une démarche de chercheur. Mais trouver,
c'est passer d'un objet qui n'a rien à nous apprendre, sur le fond, et dans lequel nous sommes solidaires, dont nous sommes solidaires, parce que c'est une victime, parce que le capitalisme est un système qui broie, qui ne se reproduit que pour... qui ne change que pour se reproduire à l'identique, etc., etc., a une toute autre relation à son objet, où cet objet se pose comme un sujet macroéconomique capable de se substituer à la bourgeoisie. C'est changer de postulat. Le postulat « il n'y a pas de classe révolutionnaire » au postulat « il y a une classe révolutionnaire ». Et alors tout notre rapport au matériel change. Il a fallu que je reprenne ma documentation, que je me documente sur autre chose, etc., etc. Mais j'étais enfin heureux. Je n'étais plus dans la dénonciation d'un capitalisme pourvoyeur en victime. J'étais dans le fait de dépier toutes les capacités qu'ont ces prétendues victimes à se poser en alternative à la classe dominante. Du coup, le passé de 1946 n'est plus du passé, c'est un présent. Je ne commémore plus. Les 70 ans de la Sécu, ça me débecte. On commémore quand on n'a plus de projet. On commémore quand le passé est du passé. 1946, c'est du présent. Notre responsabilité, c'est de l'actualiser, pas de le commémorer. La classe ouvrière, elle n'existe qu'au présent. Et dans mon rapport à la classe ouvrière, je suis dans un rapport qu'on peut transposer, bien sûr, hein, mais qui est un rapport d'amour dans lequel l'autre et perpétuellement au présent. Je m'adresse ici à Françoise, ma femme, mais je m'adresse aussi à la classe ouvrière. Le présent d'aimer. Je nomme présent ta présence. Entre le songe et la mémoire, nuit et jour, si contrebalance, si limite, dormir et voir. Je n'ai mémoire que d'absence, ou passé que de désespoir. Tout ce qui fut, je le repense à partir de toi pour miroir. Et j'imagine à ta semblance un avenir pour t'y savoir. Je n'ai rêve que d'espérance, je n'ai qu'amour à demain croire. Aimer n'y sera plus démence, et ce sera notre pourvoir contre la mort qu'être romance aux amants d'après notre soir. Je nomme présent ta présence, entre le songe et la mémoire, nuit et jour, si contrebalance, si limite, dormir et voir. Je n'ai mémoire que d'absence, ou passé que de désespoir. Tout ce qui fut, je le repense à partir de toi pour miroir. Et j'imagine à ta semblance un avenir pour t'y savoir. Je n'ai rêve que d'espérance, je n'ai qu'amour à demain croire. Aimer n'y sera plus démence, et ce sera notre pourvoir contre la mort, qu'être romance aux amants d'après notre soir. Qu'est-ce que c'est qu'actualiser ? Le régime général tel que Croizat le crée en 1946. Qu'est-ce que c'est que vivre au présent, la classe révolutionnaire ?
quelle aurait dû être la bataille à mener contre la réforme des pensions de retraite ? Ben, évidemment, assumer le fait que les retraités travaillants, c'est un peu tard, 55 ans pour être en retraite, que nous pourrions beaucoup plus tôt être libérés du marché du travail et être reconnus comme travailleurs, que nous pourrions en tout cas revenir à la proposition syndicale des années 90, retraite à 55 ans, 50 ans pour les métiers pénibles, à 100% du meilleur salaire, celui des 6 meilleurs mois, net, et en ajoutant une proposition nouvelle qui n'a jamais été énoncée, suppression des annuités. Les annuités, c'est la seconde peine des femmes. Les femmes ont déjà un salaire de 25% inférieur aux hommes, mais en plus, elles ont une retraite de 40% inférieure aux hommes. Pourquoi ? Parce que non seulement la seconde journée dont les hommes s'exonèrent, fait qu'elles accèdent aux postes moins qualifiés, 25% de salaire en moins, mais en plus, au moment où elles prennent leur retraite, mais attendez, c'est de votre faute, là, vous n'avez pas tous vos trimestres. Supprimer les annuités, c'est être cohérent, c'est prolonger, c'est actualiser, Croizat. Si les retraités travaillent, la valeur qui correspond à leur pension, elle est produite par qui ? Par les retraités. Il n'y a aucune raison que leur pension soit calculée en fonction de leur travail passé. Ce n'est pas parce que les retraités ont travaillé qu'ils ont droit au différé d'un revenu qu'ils n'ont pas consommé en totalité. C'est parce que nous avons mené avec Croizat et la CGT jusque dans les années 80, c'est à partir de ce moment-là que ça cafouille en gros, nous avons mené une bagarre politique pour changer la définition du travail, sortir le salaire de l'emploi, affecter du salaire aux retraités et assumer 70 ans plus tard, pas par une commémoration à la con, mais par une actualisation de gens qui ont une dynamique collective et non pas une espèce de désarroi collectif. C'est pousser plus loin, bien sûr, cette conquête et dire à 55 ans, quelle que soit la durée de cotisation, on a droit au son meilleur salaire à vie. C'est ça qui permet ensuite de revendiquer qu'à 18 ans, sans qu'il y ait eu de cotisation, il y ait un droit au salaire, etc., etc. Tant qu'on lie les cotisations passées aux pensions, on s'interdit tout cela. On est victime de la logique du capital. Un dernier poème de cette première partie qui se termine, qui est précisément sur le présent permanent dans lequel nous devons inscrire notre militance et qui est le présent permanent d'un couple amoureux. Je nomme présent ta présence. Ni commémoration, ni attente du lendemain. Le présent permanent. Donne-moi tes mains pour l'inquiétude. Donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé. Donne-moi dont j'ai tant rêvé dans ma solitude. Donne-moi tes mains que je sois sauvé. Lorsque je les prends, mon pauvre piège de paume et de peur, de hâte et d'émoi, lorsque je les prends comme une eau de neige qui fuit de partout dans mes mains à moi, sauras-tu jamais ce qui me traverse, qui me bouleverse et qui m'envahit ? Sauras-tu jamais ce qui me transperce, ce que j'ai trahi quand j'ai tressailli ?
ce que dit ainsi le profond langage, ce parler muet des sens animaux, sans bouche et sans yeux, miroir sans image, ce frémir d'aimer qui n'a pas de mots. Sauras-tu jamais ce que les doigts pensent d'une proie entre un instant tenu? Sauras-tu jamais ce que leur silence, un éclair, aura connu d'inconnu? Donne-moi tes mains, que mon cœur m'y forme. Si taise le monde, au moins un moment, donne-moi tes mains, que mon âme y dorme, que mon âme y dorme éternellement. Ce sommeil éternel, c'est la paix d'une militance qui est dans le présent permanent. Et c'est comment actualiser la révolution commencée par Croizat que nous verrons dans la seconde partie. Dans l'immédiat, entr'acte.